Puis on a fait l'offre d'achat. Et là, mon chum, point important, il dit, on est en compétition avec quelqu'un d'autre, alors on ne peut pas mettre conditionnel la vente de notre maison actuelle. Risque. Et là, on vit pas mal sur mon salaire de police à l'époque. Un petit peu maintenant, avec la, t'sais, on commence un petit peu avec la business. Et lui décide de faire un offre d'achat pas conditionnel à la vente de notre maison. Moi, je veux le tuer parce que je suis là, on n'arrivera pas. C'est comme, c'est impossible. On n'a pas l'argent pour faire vivre les deux maisons. Ça va mourir. Il dit oui, offre conditionnelle. On ne met pas de conditions à part l'inspection, prise de possession, 30 jours, pas conditionnel à la vente de la maison. Moi, insécurité, anxiété dans le plafond. Là, c'est comme, on va mourir là, ça ne marchera pas. Là. Mais lui, il est convaincu, c'est comme ça qu'il faut faire. Et finalement, la maison, c'est nous qu'on l'a eu. Fait que, tu sais, c'était la bonne chose, mais moi, à ce moment-là, je capote royalement, là. OK, fait que regardez juste là. Si je fais un offre sur cette maison-là, conditionnelle, ce qu'il faut comprendre, il faut toujours aller dans le modèle de l'autre côté. Lui, c'est pas l'argent son challenge. Lui, il se promène un peu partout dans le monde, il a construit sa maison de rêve, il s'est séparé, il a essayé de mettre la maison sur Airbnb, il a passé une loi dans notre secteur, on n'a pas le droit d'avoir d'Airbnb. Il a loué la maison pour faire deux films à 2000 $ par jour qu'il louait la maison ici. Il a eu deux films, là, il n'avait plus loué la maison ou quoi que ce soit. Son garçon fait des parties. L'univers conspire pour qu'il lâche sa maison, OK? L'univers conspire pour moi aussi, parce que son agent, pourquoi que la maison ne s'est pas vendue depuis 2 ans? Ça faisait 2 ans qu'elle était sur le marché, et lui, il avait demandé un certain prix. Il l'a vendu 2 fois conditionnel, mais les conditions ont floppé de ses autres acheteurs. Et son agent d'immeuble, il n'a jamais marqué qu'on était sur une réserve de 55 millions de pieds carrés, qu'il y avait 3 lacs ici. On n'est pas directement sur le bord du lac, ils sont comme en arrière à 500 pieds, ou on va dire à 1000 pieds. Qu'il était terrain de tennis, il s'était trompé dans les comptes de taxes, il avait mis les 2 dernières années ensemble. Bref, l'agent d'immeuble n'a pas fait sa job, il mettait pas la maison en lumière comment elle était vraiment. Donc, le monde le voyait, il avait mis un 3 chambres, mais en fait, bref, il n'avait pas fait sa job. Mais c'était parfait, parce que l'univers conspirait pour nous. Quand je vous dis qu'on n'a pas besoin d'avoir l'argent, on a besoin d'avoir la posture, si tu as la posture juste, ce que tu cherches, te cherche. Lui, il est dans un état, un temps de sa vie où est-ce que il faut juste tourner la page. Moi, c'est pas de l'argent que j'ai besoin, c'est pas de l'énergie. J'ai besoin de tourner la page, j'ai besoin de temps. Et là, lui, il restait déjà plus dans la maison aussi. C'est comme une maison rendue vacante. T'sais. C'est ça. Moi, j'ai déjà été dans cette posture-là quand j'ai fait faillite. À un moment donné, tu as besoin d'argent, mais il faut que tu tournes la page. Il faut que tu arrêtes avec l'histoire que tu te racontes parce que ça prend trop d'énergie vitale. Et là, moi, je le sais que lui, il a déjà eu 2 offres conditionnelles et ça n'a pas marché. Donc, puis là, c'était des offres plusieurs centaines de milliers au-dessus de qu'est-ce qu'on a fait. Si j'y fais une offre conditionnelle, il va dire non. Fait qu'on a fait une offre claire, plus bas, mais même pas conditionnel à la vente de notre maison, mais je sais même pas comment on va faire. Et Nathalie est pas très, très, très contente, mais je le sais qu'il faut que je fasse ça. Suivez-moi bien. J'appelle un de mes amis, mon meilleur ami, et je lui conte ça. Et là, il est dehors chez eux, j'appelle pas pour lui demander. Il est dehors, il est pas dehors, il est dans son bureau, il regarde dehors, puis lui, il a une mangeoire d'oiseaux. Moi, c'est le grand héron, mon signe, mais lui, c'est des cardinales rouges. Puis il dit, pendant que tu es en train de me parler, là, il y a peut-être 15 de cardinales sur ma mangeoire, j'ai jamais vu ça. Il dit, sais-tu quoi, Frank? Il dit, moi, je vais te la financer, ta maison. Puis je vais te charger 1% de plus que la caisse arrête à te passer. Il dit, j'ai un chat de poule, on a envie de pleurer. On a envie de pleurer, j'ai même pas besoin d'aller voir si là. Il sait à quel point que je me donne, puis que je suis bon, puis que je suis bienveillant pour mon monde, puis que je veux le bien, que j'ai vécu mon lot d'expériences, puis que Nathalie est à côté aussi au travers de tout ça, tu sais. Puis il y a la maison garantie s'il se passe quelque chose aussi. Mais c'est lui qui dit, sais-tu quoi, Frank? Il y a des cardinales rouges, c'est mon oiseau, j'ai jamais vu ça. Puis pour moi, c'est un signe, c'est que Pascal, c'est quelqu'un qui est assez bien connecté. Il dit, pour moi, c'est un signe. Il dit, moi, je vais vous la financer, cette maison-là. Faut pas oublier que mon père vient de décéder. On demande à mon père et à la maman de Nathalie, on pourrait venir connecter toute l'histoire du grand héron à cette histoire-là. Là. On se promène en auto et on dit, OK, si c'est pour nous, arrangez-vous pour que ça marche. Mais on dit toujours aussi, si c'est pas pour nous, arrangez-vous pour que ça ne marche pas. Et dans les prochaines histoires, je vais vous compter, j'ai dit ça tout le long. Si c'est pour moi et c'est ce que je veux et je le ressens profondément, arrange-toi pour que ça marche. Si c'est pas pour moi, je vais m'incliner. Arrange-toi pour que ça marche pas. Constamment qu'on fait ça. Donc finalement,
on a le prêt de Pascal. J'oublie quelque chose jusque-là, chérie? Non, mais tu disais là, un peu, là, juste le grand héron, je vais en faire une parenthèse, c'est que quand on descendait, on s'en venait à l'inspection de la maison, ici, on se dit ça, tu sais, dans l'auto, les deux, on dit, on demande à nos parents de nous aider. Et à la hauteur de l'autoroute, à la hauteur de Laval, il y a un grand héron qui vole à la hauteur de notre pare-brise, environ à 5 mètres de nous, là. Sur l'autoroute, tu sais, je veux dire, les donnes d'avoir un grand héron là, on vient de faire la demande à nos parents en disant « Si c'est la nôtre, arrangez-vous pour que ça marche. » Le grand héron apparaît, Pascal apparaît par la suite. Tout s'enlignait là, pour qu'on puisse avoir notre maison. Là. Et on a eu le prêt. On est arrivé à la maison ici un mois plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre maison déjà qu'on ne voulait pas vendre conditionnellement? On s'en va au bootcamp. Il y a peut-être des gens qui étaient au bootcamp à ce moment-là. On venait de dire que... Je te laisse expliquer. Ben nous, avant de mettre notre maison à vendre, il fallait faire des rénovations dedans parce qu'il y avait des choses qu'il fallait vraiment réparer avant de pouvoir la mettre à vendre. Alors, on a pris possession de la maison ici, mais l'autre maison, les rénos sont même pas finis, fait qu'elle est même pas encore à vendre. Fait que là, on a vraiment les deux maisons, là. C'est comme, pendant un mois, là, on a vraiment les deux, là. Fait que moi, ça me met du stress, ça me met de l'anxiété parce que là, comment qu'on va faire? On peut pas tenir ça pendant 6 mois, là. C'est comme, je me permets la suite. Ben oui, vas-y. Et là, finalement, on finit par finir les rénaux. On finit par la mettre à vendre. Et là, l'agent d'immeuble, elle vient à notre maison pour comme finaliser le tout. Fait que là, elle met la pancarte, puis elle dit « Demain, le photographe va venir pour prendre la photo, puis elle va être sur le site web, on pourrait faire une visite ouverte dimanche et tout ça. » Et nous, on prenait l'avion cette soirée-là pour aller au bootcamp en France. Fait que par le temps qu'on prenne l'avion, qu'on atterrisse, qu'on reprenne les courriels et tout ça, j'ai un message de l'agent d'immeuble qui me dit « Il y a une visite tout à l'heure sur la maison. » Elle n'est même pas sur Internet, la maison. Le gars a passé sur ma rue et lui se cherchait une maison. Il est sans maison depuis 30 jours parce qu'il a vendu la sienne. Il se cherche une maison proche de ses beaux-parents qui reste à 6 maisons de nous sur l'autre rue. Et lui doit déménager maintenant. Et il a besoin d'une maison. Fait qu'en 24 heures, la maison, elle est vendue. On a vendu la maison en une journée. Et en fait, on vend pas une maison, on vend un espace vibratoire. Je vends pas une formation, je vends une expérience. Et quand on comprend ça, ce que tu cherches, te cherche. C'est-à-dire que la maison qu'on a mis à vendre était remplie d'amour. On voulait que ça soit bien pour la prochaine personne qui soit là. On voulait que, tu sais, on croyait en ce qu'on avait. On a mis de la valeur, on a mis de l'amour. On s'est pas débarrassé du bien. On a comme carry le plus possible. On va mettre à vendre. De toute façon, on est porté, on est aidé, on est guidé, on est soutenu à chaque instant. Bam, une journée. Est-ce que tu étais contente quand on a vendu la maison? Non, j'étais en crise parce que je voulais pas qu'il y ait encore raison. Était frustrée. Parce qu'on a vendu la maison en une journée, puis encore une fois, ça avait raison. Je me rappelle comme si c'était hier, elle était fâchée. Je dis, ça peut pas être fâché, là, on vient de vendre la maison encore une fois. Donc, cette personne-là, puis là, on pourrait embarquer en précision dans les petites histoires. Tu veux-tu faire les meubles ou non? Oh oui, on peut y aller. OK, vas-y. Je vous l'ai dit, on va parler longtemps, mais vous devez rester jusqu'à la fin parce que vous allez faire comme « mais non, mais voyons donc ». Nous, quand on a acheté la maison ici, elle était tout meublée parce que, comme je vous disais, le gars restait ailleurs, mais il s'en servait encore un peu comme chalet ici. Fait qu'il nous fait, on dit « ben fais-nous une offre pour tes meubles », tu sais, parce qu'on n'en a pas besoin, on est meublé complètement à l'autre maison, on peut tout transférer. Mais honnêtement, il y avait des meubles un petit peu plus beaux dans certaines pièces, ça fitait avec la maison plus que mes anciens meubles. Fait qu'il nous dit, ben, il nous fait un total, il dit, bon, ben, pour toute la maison meublée, 30 000. Fait qu'à ce moment-là, je vais tout le temps m'en rappeler, François, il dit, ben, moi, je t'offre 3 000. Lui, pas parce que je suis dur, là. Pas parce que je suis dur en négociation, j'aime pas négocier. Fait que lui, 30 000, mon chum, il offre 3 000. Mon chum, il lui dit, ben, il dit, nous, on a tous nos meubles. Fait que ça nous dérange pas, on est meublé, fait qu'on n'en a pas besoin de tes meubles. Et nous, on savait que c'était prise de possession 30 jours. Et sur le 30 jours, on le savait qu'il était 2 semaines à l'extérieur, à l'international, pour un voyage d'affaires. Et de la manière qu'il nous parlait de ses ados, ben, c'est pas vraiment eux qui vont faire les petites annonces que Kijiji et tout ça, Marketplace, pour venir vendre les choses. Fait qu'on le sait que c'est un paquet de troubles pour lui de tout déménager, puis que c'est pas ça qu'il veut. Fait que... Puis on savait aussi que l'argent n'était pas une problématique dans sa vie. Pour lui. Mais au-delà de ça, j'aime toujours voir qu'est-ce qui se passe derrière. C'est quelque chose que je parle pas souvent. Le détachement. Quand t'es détaché
de l'objectif, ça passe. Quand t'es pas détaché, ça passe pas. Donc, il me fait une offre 30 000. Moi, j'ai déjà mes meubles dans mon autre maison. Il y a des beaux meubles que j'aimerais avoir, mais je suis déjà à ma limite dans mes affaires ou à peu près. Et là, je fais comme, mais non, écoute, moi, j'ai déjà mes meubles. Écoute, je vais t'en offrir 3 000. Je le sais qu'il n'y a pas. Rappelez-vous, tu as le temps, t'as les idées, tu as l'énergie, tu as l'argent et tu as. C'est quoi déjà l'autre? Bref, lui, là, il avait de l'énergie, il avait de l'argent, il avait des idées, mais lui, il n'avait plus de temps. Comme Nathalie a dit, ça n'était même pas de vendre, de faire des petites annonces. Il veut tourner la page. Puis finalement, bref, il fait ça rapidement. Parfait, il accepte mon offre à 3 000. Donc, on se ramasse avec tous ces meubles à 3 000. Là, on fait l'histoire très courte, parce que je ne veux pas qu'on soit trop précis là-dessus, chérie. Mm-hmm. Mais là, de l'autre côté, quand on doit libérer notre maison, il y a quelqu'un qui arrive, il vient de se séparer. Bref, on y fait un deal avec nos meubles parce qu'on veut l'aider. L'univers nous a aidés. Nous, on va aider quelqu'un d'autre. Le gars, il pleurait, hein, chérie? Hein, à la maison, le gars, il pleurait parce qu'on lui donnait un coup de pouce. Mais oui, mais l'univers nous a aidés de l'autre côté.